Bonjour à tous. Le monde entier commémore aujourd'hui 3 mai la Journée internationale de la liberté de la presse, une journée instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1993. Elle est devenue l'occasion d'informer le public sur les violations du droit à la liberté d'expression. Et en Côte d'Ivoire, plusieurs activités sont au programme. Hier vendredi, au deuxième jour des festivités dans le pays, la célébration de la Journée mondiale de la presse a été marquée par la tenue d'une conférence débat autour du thème Convention collective des journalistes, bilan et perspective. Le récit de Herman Yamié. 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, une célébration qui a déjà démarré en Côte d'Ivoire depuis le 30 avril avec plusieurs activités. Ce vendredi 2 mai, une conférence débat animée par Guillaume Bateau sur le thème Convention collective des journalistes, bilan et perspective. Objectif, instruire journalistes et professionnels de la communication sur le contenu de la convention. À cette occasion, le droit à la liberté d'expression a été mis en exergue. Si il est vrai que dans les textes, il y a un certain nombre de libertés accordées aux promoteurs des médias et aux professionnels des médias, la réalité des faits montre que cette liberté est entravée par beaucoup d'obstacles, au plan légal et institutionnel, au plan même de la pratique du métier dans les entreprises, au plan des conditions de vie et de travail, et au plan de la sécurité générale des professionnels des médias. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que les professionnels des médias puissent exister dans un environnement libre. Cette journée a été aussi marquée par une remise de livres et de documents afférents au métier du journalisme par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. On a présenté des livres aujourd'hui aux journalistes, des livres qui sont publiés aux États-Unis, qui partagent des informations sur le moyen dans lequel le journaliste peut être plus professionnel. La célébration officielle de la Journée mondiale de la liberté de la presse se déroulera ce samedi 3 mai à Abidjan. Au programme de cette journée, la remise des prix du concours des caricatures et une procession qui partira de Fraternité Matin jusqu'à la maison de la presse. Le réseau des communicants du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable se sont retrouvés hier dans la forêt du Bonko. Il s'agissait pour l'organisation de proposer à la tutelle des stratégies de communication efficaces afin de sensibiliser les populations à un cadre de vie sain. Grâce Kando. Communiquer suffisamment sur les différentes actions à mener afin d'obtenir l'adhésion des populations. C'est l'objectif que veut atteindre le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Pour ce faire, un réseau de communicants des structures sous tutelle est mis sur pied. Sa mission, proposer des stratégies au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable pour mieux sensibiliser, informer et éduquer les populations à un changement de comportement. Mettre un accent particulier sur une bonne communication, une bonne sensibilisation pour que sur le terrain, les populations sentent concrètement les actes que le gouvernement pose pour les amener à vivre dans un cadre de vie agréable, dans un environnement sain et à impliquer le processus de développement durable pour que demain, tout le développement de la Côte d'Ivoire s'inscrive dans ce qu'on appelle un développement éco-citoyen. C'est une bonne initiative du ministère d'unir toutes les structures en un seul bloc pour pouvoir travailler pour que les activités du ministère soient connues de tous. Nous sommes partis du constat selon lequel nous ne communiquons pas assez. Il est donc vital que nous nous retrouvions pour dégager les stratégies, pour dégager les voies et moyens. Nous sommes donc à la quatrième réunion. Ce réseau des communicants du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable se retrouve chaque mois pour faire le point des activités et jeter les bases des actions futures. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a accueilli la quatrième édition du comité consultatif de la mutualité de l'UEMOA, l'état de la situation de la couverture maladie dans les États concernés a constitué 3 jours durant le menu de la rencontre et c'est ce que nous dit Christelle Menon. Cette quatrième réunion du comité consultatif de la mutualité sociale aura permis de faire le point des avancées et de formuler des recommandations pour le développement effectif d'un système de couverture maladie dans les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au chapitre des avancées notables, la Côte d'Ivoire et le Mali présentent de bons résultats
avec la création de cadres juridiques et d'organes administratifs de gestion. Concernant la mise en place d'un fonds national de garantie pour les mutuelles de leurs États, tous les gouvernements de l'Union sont au même niveau, sauf le Sénégal qui a ses textes déjà élaborés. Fonds de garantie, création d'organes de gestion de la mutualité sociale, ces points ont fait l'objet d'un règlement au sein de l'UMOA. En plus de ces règlements, nous avons pris un ensemble d'autres textes qui organisent des aspects spécifiques à la mutualité. Donc l'UMOA est là pour soutenir les efforts des États, amener une plus-value régionale et contribuer également au partage d'expériences entre les États. Plus de 80% de la population sous-régionale n'a pas accès à une couverture maladie. C'est donc une situation peu reluisante au plan social. Et cela nous place, nous met en face d'un défi urgent, d'ériger un système de protection sociale plus inclusif, plus complet et plus efficace, intégrant les populations les plus vulnérables des secteurs agricoles et informels. Dans sa démarche de résolution de cette problématique, l'UMOA s'est fixé une période probatoire, fin juin 2014, à l'issue de laquelle toutes les mutuelles en activité devront être enregistrées et agréées au moins par les ministères de tutelle. Cette quatrième réunion a également permis l'adoption de termes de référence pour l'élaboration de deux logiciels de suivi et de gestion à mettre à la disposition des États et des mutuelles. Comme annoncé par les autorités, les urgences du CHU de Cocody ont finalement été fermées pour des travaux de réfection et de réhabilitation qui vont durer 3 mois. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi, était récemment sur les lieux. Le commentaire de Patricia Omouetia. C'est dans ce bâtiment neuf que la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida effectue une visite guidée. Stratégie pour s'assurer des bonnes conditions de réception des malades. Avec une capacité d'accueil de plus de 80 lits, les urgences de chirurgie du CHU de Trècheville sont fonctionnelles. Ces urgences-là, et comme les autres d'ailleurs, étaient fermées depuis septembre 2012. Donc nous avions déjà commencé la réhabilitation de ces locaux et nous avons donc dû travailler extrêmement dur jour et nuit, pour pouvoir avoir les résultats que vous-même vous avez pu constater. Nous demandons donc à la population ivoirienne de n'avoir aucune inquiétude, de venir et de nous permettre ainsi de pouvoir très rapidement réhabiliter les urgences du CHU de Cocody à l'image de ces urgences-là. Au CHU de Cocody, les services des urgences de chirurgie, médecine et pédiatrie sont presque vides. Encore quelques malades en observation. Les tout derniers, avant la fermeture temporaire des urgences groupées pour des travaux de réhabilitation. Tout à l'heure, le directeur de cabinet du ministère était là. Il nous a même trouvé une solution au CHU de Trècheville où des patients seront transférés tout à l'heure. Quand ça sera totalement vide, je pense que les autorités vont se charger de remettre les clés aux techniciens. Raymond Goudou Kofi a poursuivi sa visite aux urgences de médecine du CHU de Trècheville, au CHU de Yopougon et à l'hôpital général de Yopougon-Atier. Ces établissements sanitaires sont au nombre des décisions prises par le gouvernement ivoirien dans le cadre de la réorganisation de la prise en charge des urgences de ces structures sanitaires. L'ensemble du territoire national, c'est une initiative de l'APC, l'Alliance pour le changement. Alphonse Soro entend ainsi mobiliser les jeunes autour de ce projet cher au président de la République, qui est de trouver à chaque Ivoirien un emploi. La caravane de l'Alliance pour le changement était dans les régions du Guémont et du Cavali. Abou Sanogo. L'Alliance pour le changement, APC, sonne la mobilisation contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Elle vient de lancer une caravane sur l'ensemble du territoire national. Cette caravane s'adresse aux jeunes de tous les bords politiques, d'où le thème « Un jeune, un emploi ». Ainsi, après la Maraoué, Alphonse Soro, le président de l'Alliance pour le changement, était dans les régions du Guémont et du Cavali. À Diokoué, il invitait les jeunes au travail. Il leur a demandé de monter des projets et de prendre la tâche avec le Fonds national de la jeunesse, FNJ. Après Diokoué, la caravane de l'Alliance pour le changement a mis le cap sur la ville de Guiglou, où elle sera reçue par le préfet des régions Koné-Mé Samba. Zanié, localité située à une quarantaine de kilomètres de Guiglou, a accueilli la délégation de l'Alliance pour le changement dans la joie et l'allégresse. Alphonse Soro a saisi l'occasion pour exhorter la Fédération des associations féminines et les jeunes de cette sous-préfecture à sortir de la pauvreté en déterminant leurs projets. Est-ce que vous savez que depuis 2012, il y a 1 milliard? Et sur les 1 milliard,
les jeunes n'ont pas encore épuisé les 1 milliard. Deux ans après, il n'y a pas 1000 projets. Il faut aller dans le village, il faut aller partout dans la ville pour dire à ces jeunes ensemble, allez voir le Fonds national de la jeunesse. Ils vont donner de l'argent. Ça va financer vos projets. Vous serez autonome. Coulibaly Abdoulaye du Fonds national de la jeunesse a affirmé que le fonds se présente comme solution au problème des jeunes en Côte d'Ivoire. Dès maintenant, nous allons nous constituer en groupement ou même de façon individuelle pour formuler notre demande et puis ensuite avoir ce projet. Ce fonds est là pour nous aider. Très bien. Nous sommes très très contentes pour cela. Alphonse Roux a également invité la population à prendre part à l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Prochaine étape, Grabo et Taï. Des leaders religieux, musulmans et chrétiens œuvrent pour le rapprochement entre les Ivoiriens. Ils ont initié une rencontre autour du thème « Dialogue interreligieux et cohésion sociale en Côte d'Ivoire ». C'était pour eux l'occasion d'approfondir leurs réflexions autour de la réconciliation et la cohésion nationale. Laetitia Mangli. La Côte d'Ivoire est en pleine reconstruction depuis la fin de la crise en 2011. Reconstruction des infrastructures, mais également reconstruction du tissu social. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que le Conseil national islamique a organisé un colloque sur la thématique du rôle du dialogue interreligieux comme facteur de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez au moment de la crise, mais nous sommes restés ensemble. Et contrairement à ce que les gens disaient, les différentes communautés religieuses, j'allais dire nos guides religieux, il n'y a pas eu de conflit. Et c'est ce qui a été notre chance. Et puisqu'il s'agit justement d'un dialogue entre religions, les leaders de l'Église catholique étaient également représentés à ce colloque. L'Église catholique implique toujours la communauté musulmane dans toutes ses actions. Et tout dernièrement, pour le consistoire au Vatican, et même tout dernièrement encore pour la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II, eh bien, la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire était représentée au Vatican. Débuté le jour de la fête du travail, 1er mai, ce colloque sur le rôle du dialogue interreligieux sur la cohésion sociale s'est achevé ce 2 mai à la Questab. À l'étranger, au Nigeria, un nouvel attentat meurtrier a frappé une importante gare routière d'Abuja, gare déjà visée par le groupe islamiste Boko Haram il y a 3 semaines. Cette attaque intervient à quelques jours d'un forum économique international qui doit avoir lieu dans la capitale politique nigériane. Et en Égypte, 4 personnes ont été tuées hier vendredi dans des violences à la veille de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle de fin mai. Rendons-nous en République démocratique du Congo pour parler d'assistance humanitaire. Les ressortissants de ce pays refoulé du Congo sont difficilement pris en charge. Je vous propose de suivre ce reportage. Les barges remplies de rapatriés de Brazzaville continuent d'arriver. Depuis que le Congo a décidé d'expulser les ressortissants de la République démocratique du Congo en situation irrégulière, 30 000 personnes ont débarqué à Kinshasa. Avec des canapés, des frigos, le retour au pays semble définitif. Les conditions d'accueil improvisées à Kinshasa sont rudimentaires, même si peu à peu, un semblant d'organisation semble se mettre en place. Les rapatriés qui ont encore des parents en RD Congo les rejoignent. Des bus sont mis à leur disposition par les autorités pour les acheminer. Avec forcément un délai pour les trajets jusqu'aux provinces reculées. Les autres, ceux qui n'ont plus de liens familiaux, sont installés provisoirement. Un stade de la capitale a été réquisitionné. Mes enfants et moi, nous dormons ici, sur ces gradins. Avec les intempéries, comment ferons-nous? Et nous manquons même à manger. Voyez comme nous avons maigri. Nous espérons qu'on nous viendra en aide. Nous n'avons pas d'argent pour manger, raison pour laquelle nous vendons même nos biens pour acheter de la nourriture. C'est la Croix-Rouge qui recense les arrivées et qui apporte les premiers secours. Vous voyez, les corps médicaux sont là, la table est là, on est en train de faire les soins, on est en train de traiter.
Débordés par le nombre d'arrivées de Brazzaville et n'ayant pu faire cesser les expulsions par la voie diplomatique, Kinshasa a lancé un appel à la solidarité avec les refoulés. C'est une solidarité qui doit se manifester au niveau des familles, au niveau des communautés et au niveau des relations interpersonnelles. C'est cela que l'on appelle une nation. Je crois que la solidarité, les Congolaises et Congolais sont déjà en train de la pratiquer. Parce que ces expulsés sont assistés d'une façon ou d'une autre par les Congolaises et Congolais et d'autres personnes de bonne volonté. Mais ce que nous dénonçons à travers cet appel du gouvernement, on dirait une sorte de fuite de ses propres responsabilités. L'absence de nourriture, d'eau et de sanitaire suffisants, l'absence de toit, laisse présager une catastrophe humanitaire à très brève échéance, d'autant que 10 000 personnes devraient encore arriver de Brazzaville. L'actualité en bref en Afrique à présent, avec tout d'abord la visite du secrétaire d'État américain John Kerry au Soudan du Sud, pour exiger l'application d'un cessez-le-feu dans le conflit qui dévaste depuis 4 mois le pays menacé par la famine. Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé à Djouba ce matin en provenance d'Addis Abeba. Le chef de la diplomatie américaine s'est aussitôt entretenu avec le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, qui s'est engagé pour l'ouverture de négociations directes avec le chef de la rébellion, Riek Machar. La rencontre entre les deux hommes porterait sur l'application d'un cessez-le-feu et la formation d'un gouvernement de transition. La force de l'Union européenne en Centrafrique est désormais opérationnelle. Depuis 48 heures, les soldats européens ont commencé à assurer la sécurité de l'aéroport de Bangui, qui accueille un vaste camp de personnes déplacées. Pour le moment, aucune date n'a été fixée pour le déploiement des forces européennes dans les différents quartiers de Bangui. Au fort RCA est actuellement composé d'environ 150 hommes, essentiellement des militaires français issus de Sangaris et de soldats du contingent estonien. Sa dernière apparition en public remonte au mois de mars dernier. L'opposant burundais, Alexis Sindouigé, avait pris part à une manifestation de son parti à Bujumbura, qui avait été violemment dispersé par la police. Il avait aussitôt pris la fuite alors que les autorités burundaises lançaient un mandat d'arrêt à son encontre pour organisation de mouvements insurrectionnels. Alexis Sindouigé a été interpellé jeudi matin à l'aéroport de Bruxelles alors qu'il arrivait de N'Djamena à destination de Paris. Bujumbura a officiellement demandé son extradition. Et sachez que le secrétaire d'État américain John Kerry vient d'obtenir un accord, un cessez-le-feu entre les deux rivaux au Soudan du Sud. Débuté le 21 avril dernier, l'édition 2014 du Popo Carnaval s'achève aujourd'hui 3 mai. Plusieurs activités, dont l'élection de la Miss Popo Carnaval, ont marqué ce festival. Le Popo Carnaval se veut une célébration de la culture et une locomotive pour le développement de la ville de Benoît. Et c'est ainsi qu'à ce que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.